Image de la traversée d'un siècle. Une 140C de 1917 salue un TGV de l'an 2000. Au début du XXe siècle, la compagnie de l'Ouest ne dispose que de machines de faible puissance. Des 030 qui, malgré leur qualité, sont d'une puissance notoirement insuffisante pour assurer un trafic marchandises de plus en plus important. Et cela oblige la compagnie à louer fréquemment des machines auprès des autres réseaux. Les responsables de l'attraction s'intéressent alors à un type de locomotive puissante, des 140, en cours de construction par Henschel en Allemagne pour les chemins de fer italiens. Et ils commandent une série de 30 locomotives similaires. De ligne très simple, ces machines compound à deux cylindres, avec une chaudière à vapeur saturée timbrée à 16 kg, développent une puissance de 900 chevaux, avec une charge par essieu limitée à 14 tonnes. Elles sont livrées en 1908 et numérotées 4501 à 4530. Leur allure générale rappelle le style italien dont elles sont dérivées. Très dépouillées, chaudière haute dégageant un espace au-dessus du châssis et poste de conduite à droite. Entre-temps, les chemins de fer de l'État ont racheté la compagnie de l'Ouest et décident d'augmenter sérieusement ce parc de machines puissantes. Ils commandent donc à l'industrie française, cette fois, une nouvelle série de consolidations inspirées du type précédent. Elles seront numérotées 140-101 à 370. Même allure générale que les 4500. Elles sont équipées du même bogie-bicelle Zara, mais pèsent un peu plus lourd, 75 tonnes en moyenne, sans dépasser 17 tonnes à l'essieu. Elles sont à vapeur surchauffée à 12 kg et simple expansion, distribution Valscart, graisseur mécanique et conduite à gauche. Un premier lot de 70 machines, construites par la SACM à Belfort, par Schneider au Creusot et par Fivelille, est livré en 1913. Mais la déclaration de guerre de 1914 mobilise l'industrie française pour l'effort de guerre. Et l'État fait appel à l'industrie anglaise. Nasmyth Wilson à Manchester et North British à Glasgow et Hyde Park expédieront ainsi 200 machines par bateau vers les ports français. Malheureusement, le Saint-Chamond est coulé par un sous-marin allemand en avril 18 et 6 locomotives et leurs tenders disparaissent au large de la Cornouaille. En 1916, le ministère de la Guerre commande 70 autres machines aux mêmes usines anglaises pour la traction de l'artillerie lourde sur voie ferrée, l'ALVF. À la fin de la guerre, ces 70 machines sont vendues à deux réseaux. 35 à la Compagnie de l'Est, qui les enregistre sous les numéros 40001 à 40035, et les 35 autres au PLM, où elles prendront les numéros 140K1 à 35. Au total, 334 machines composent cette série. Dans les années 50, l'effectif des 140C est reconstitué avec les rescapés, moins les 41 machines perdues, détruites ou irréparables. En plus de ses propres machines, dont une seule manque à l'appel, le réseau de l'Est récupère les machines du PLM et une trentaine de celles de l'Ouest pour en totaliser environ 140 en 1955. Elles assurent l'attraction de tous les trains de marchandises, de certains voyageurs omnibus et même d'express. Grâce à leur vitesse de 80 km/h, il leur arrive même de remplacer les autorails avec un train léger et de tenir le même horaire. Comme elles sont réparties dans un grand nombre de dépôts, Noisy, Troyes, Belfort, Reims, Verdun, Chalindrey, Nancy, elles parcourent toutes les petites lignes sans restriction, grâce à leur charge à l'essieu limitée à 17 tonnes. On peut les voir sur pratiquement toutes les grandes lignes de l'Est. Paris-Charleville, Paris-Strasbourg, Paris-Bâle.